Bienvenue viewers de Jurassic, ici Jesper en direct de Ark Survival Evolved. Pour aujourd'hui, la suite de nos aventures. La dernière fois, nous avons tame un magnifique carcharodontosaure mâle énorme. Malheureusement pas très haut level, mais quand même big, hein. Ça reste un magnifique carcharodon. Et je vous avais prévenu dans l'épisode suivant, donc maintenant aujourd'hui en direct, nous allons reproduire nos carcharodons afin de constituer dans un premier temps une famille. On verra des petits carcharodons bébés, on les verra grandir et tout, ça va être incroyable. Et ensuite une armée, et potentiellement dans le futur je me promènerai toujours avec une cryopode, avec un carcharodon sur moi, ce qui va être dantesque et ça va me donner une puissance et une assurance de l'élite. Donc aujourd'hui nous allons reproduire nos magnifiques carcharodons, et j'ai pas choisi de nom d'ailleurs, va falloir que j'en choisisse. Je regarderai certainement les commentaires au milieu de cette vidéo pour voir le nom du carcharodon si j'oublie pas. Avant qu'on commence, je vous invite très rapidement à vous abonner les amis. J'ai un rêve, un objectif, c'est d'atteindre les 100 000 abonnés. Je sais pas quand est-ce qu'on y arrivera parce qu'on avance petit à petit, mais vous pouvez m'aider à atteindre cet objectif le plus vite possible en vous abonnant si c'est pas déjà fait. Je sais qu'au moins 40% des gens qui regardent cette vidéo ne sont pas abonnés. Ceux qui sont abonnés, vous êtes des survivors. Je vous invite à mettre la cloche de notification également pour ne rien rater. Voilà, et puis commentez, même prout, ou je laisse un commentaire, ça fait toujours plaisir. C'est parti. Let's go. Ah ouais, j'ai oublié de pleurer un petit peu pour le pouce bleu, donc s'il vous plaît, laissez un pouce bleu. C'est pour l'algorithme, hein. Moi sinon les pouces bleus ça fait plaisir, mais les commentaires c'est mieux parce que je peux vous lire vos commentaires. Alors, nous avons tame du coup ce magnifique bébé dantesque, un petit peu orangé, et la femelle on l'avait tame précédemment, donc on va les décaler. Alors ce que je vais faire, c'est que je pourrais les prendre en cryopode, je sais, mais en l'occurrence j'ai pas envie. J'ai envie... Est-ce qu'elle me suit ? Je sais pas si elle me suit. Ouais, je pense qu'elle me suit. Allez, je vais mettre le texte en vert. Voilà, en train dessus. J'ai envie de les déplacer un petit peu dans la base pour voir et pour vous montrer la taille et à quel point c'est ridicule. Attendez, j'arrive pas à enjamber le crocodile. J'ai peur qu'en fait, elle se pète la gueule. Regardez comment prendre trop de place. Ça y est, elle est bloquée. Oh, erreur système, je répète. Alors, ils sont forts pour se débloquer des circonstances dans les pièges et tout. Ouah, je me fais écraser. Mais alors par contre, pour marcher sur un pauvre petit crocodile, il n'y a plus personne. Ok, c'est bon, elle a réussi à se déplacer. Ça va être un défi de réussir à sortir de la base. Ah non, quoique on a marché sur les carnots comme si c'était des vulgaires, je sais pas, fourmis. Hop, ouvrons la porte. Recule, chérie, je peux pas sortir. Prends trop de place, c'est un truc de ouf. Est-ce qu'elle arrive à sortir? Yes! Non mais regardez comme c'est fou. Avoir deux carcharodons, c'est méga impressionnant. Mais imaginez quand on va avoir une armée complète. Je vais refermer la porte, je vais les laisser là parce que c'est déjà assez galère de se déplacer avec, lol. Alors, vous vous dites certainement où est-ce que je les amène. On va les amener près de la salle de reproduction de l'autre côté, hein, parce que, étant donné que ça prend beaucoup de place, ce merdier quand même. Hein? Alors, on va les amener par là du coup. Franchement, je vais même pas essayer de les faire entrer dans la salle de reproduction, ça serait ridicule. On va plutôt... One shot un pauvre dodo qui a rien demandé. On va surtout les mettre ici. Voilà. Oh là là, mais quelle place ils prennent. Ça va être n'importe quoi. Après, on va voir que... Pourquoi? Regardez la femelle. Elle est omnibilée, je pense, par le canapé de quelque chose qui est resté sous terre. Regardez comme elle est mignonne. Elle est en mode... Attendez, j'ai faim, moi. Ah, c'est bon, elle s'est calmée. Ok, super. On va pouvoir les mettre en repro. Tous les deux. Oh my god. Ils sont énormes. Ils sont balèzes. C'est un truc de fou. Alors, on va activer l'accouplement. C'est la première fois de ma vie que j'accouple des carcharodons, du coup. Et c'est épique. Permettre l'accouplement. Boum. On va lui mettre un point en plus sur les dégâts, puisque de toute façon on le réutilisera. Attends, ils sont pas assez proches. On va faire ça en télépathie, hein, quand même. Hein. On va les coller. Voilà. Là, maintenant, ça va faire des saloperies. Peggy 18. Ah, peut-être que la femelle, je l'ai pas mis en accouplement. Attends. Hop. Imaginez, on peut pas les accoupler. Ce qui est fou, hein. Normalement, on peut les accoupler à 100%. Autre option. Bah alors, oh. Ah voilà, c'est parce qu'elle était en suivi les amis qu'elle voulait pas s'accoupler. Là il y a les petits cœurs. Alors moi comme vous le savez déjà, j'ai des stats très améliorées. Ouh, ils ont fait plein d'œufs. Bah on va les récupérer. On pourra tame en titan au bois. Je vais désactiver l'accouplement. Arrêtez de faire des œufs, c'est bon, hein, c'était juste comme ça. Eux j'ai pas envie qu'ils s'accouplent, mais Rextech. Donc comme je vous disais, je sais plus ce que je disais. On va les accoupler. Ouais, je vous disais, mes stats sont très avancées. Donc du coup ça va s'accoupler super vite. Ça va faire des œufs super vite. Oh, mais vous imaginez les œufs. Oh, les œufs de carcharodon. Pour faire des croquettes ultimes, là j'en ai jamais fait d'ailleurs, mais là je pourrais en faire plein avec leurs super œufs de la mort. Moi ce que j'imagine, ce que j'espère surtout,
J'imagine un Carcharodon avec des couleurs de fou. Parce que comme on va les faire se reproduire, il y a peut-être des couleurs qui seront différentes. Imaginez si on a des Carcharodons blancs, ou fou noirs, ou jaunes, ou verts, ou violets. Ça va être incroyable. 66%. Je vais la laisser faire un petit œuf. Moi, pendant ce temps, je vais aller déposer les œufs de Rextech, qui sont des œufs fécondés, dans mon frigo. Comme ça, on fait un petit aller-retour, vous allez voir. On va revenir, et quand on reviendra, il y aura potentiellement enfin un œuf. Oh, je suis trop encombré pour monter sur ce petit port. Il y aura probablement un œuf de Carcharodon. Je me demande quelle couleur ça a, mais à mon avis, ça va être super stylé. Je suis de retour. Wouah, c'est bon, on a notre premier œuf. Alors, ok, jeté par Carnage, donc ma femelle. Il est... Vous vous rendez compte du délire ou pas? L'œuf... Hop! Je peux me cacher dedans! Regardez, je suis dans l'œuf, là! Attendez, je dépasse un peu. Faut que je me mette... Voilà, je suis dans l'œuf! Il est tellement énorme! Il est tellement énorme qu'on peut se planquer dedans. Là, je suis actuellement à l'intérieur de l'œuf. Je me demande quel poids il fait. 40! 40 en poids! Oh, la vache! Ok, on va le déposer ici tout de suite. Est-ce qu'il reste assez de pétrole d'ailleurs pour que ça continue à tourner longtemps? Ouais, 29, c'est nickel. Et nous allons drop notre premier œuf de Carcharodon. C'est dommage, la couleur elle est pas magnifique, mais il est épique. Ouais, ok, l'incubation est en train de descendre. Ça va être un petit peu lent. Non, en vrai ça va. Hein. Regardez, ça va, 98. On va juste devoir attendre un petit peu. Allez, pendant ce temps, Mireille, tu vas nous faire un autre œuf. Hein. Je compte sur toi. Oh, je viens d'entendre un bruit. Je crois qu'elle nous a fait un autre œuf. Non mais c'est n'importe... Oh, elle nous en fait deux, j'ai pas regardé. Oh là là, eh, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a déjà trois Carcharodons qui vont se préparer là. Eh, ça va être n'importe quoi. À la fin, on va falloir s'en occuper et tout. On a déjà trois Carcharodons en préparation. Je vais accumuler les œufs. Est-ce que d'ici ça marche? Ouais. Oh là là, et celui-là, il reste encore 12 minutes. Pendant ce temps, l'autre va nous faire des œufs à tout va. Est-ce qu'elle en a encore fait un? Non, quand même pas. Hein. Oh là là, mais ça va trop vite l'accouplement. On va se retrouver avec 10 Carcharodons avant la fin de cet épisode. Vous allez voir, ça va être une folie. On a dépassé les 50% d'incubation sur le premier. Je vais voir. Oh là là. Oh, mais encore deux. C'est nimp. C'est nimp. Est-ce que vous pensez que je peux lui mettre dans son inventaire? Non, en vrai, je vais tous les déposer là-bas si je peux. Parce que comme ça, ça nous fera des bébés qui vont sortir petit à petit. Parce que l'incubation a duré quand même 20 minutes à peu près. Et pourtant, j'ai une accumulation. Enfin, j'ai une incubation très rapide. Très, très, très rapide. Donc j'imagine même pas ce que ça donne si ok, ça descend. Si genre j'avais pas augmenté ça, je pense qu'on mettrait genre 15 heures pour avoir un œuf qui éclos, même peut-être même plus, je sais pas. Ça serait terrible. Et pendant ce temps, ma vieille, elle y va, ça part dans tous les sens, elle nous fait des bébés en veux-tu en voilà. Ah, ça c'est pas un bébé. Plus que 3 minutes 30 et de l'autre côté regardez, il y a une pile. On dirait un bonhomme de neige ou un bonhomme de merde comme vous voulez. Oh, l'œuf sacré, il vole, regardez. On va le récupérer, on va le déposer là-bas. Combien est à la fin de cet épisode, je vous jure, on va avoir 40 Carcharodons, c'est pas possible. Parce que regardez, tous les œufs qu'on a accumulés déjà, c'est n'importe quoi. Comme mes paramètres, ils sont bien rapides, sa mère. Après, bon, vous inquiétez pas, de toute façon, on peut pas utiliser les Carcharodons pour les boss. Ok, bon, l'incubation se fait même ici. Donc, ça va être pour le fun. On va les garder, on les mettra pour garder la base. Et puis, on ira peut-être savater un ou deux Rex Alpha, histoire de s'amuser. Mais de toute façon, ça nous servira pas pour les boss. D'ailleurs, j'ai une très très mauvaise nouvelle. J'ai appris qu'on ne pouvait pas utiliser les trucs tech pour faire les boss. Je suis dégoûté, je comptais utiliser la selle de Rex Tech pour affronter la Broodmother, mais ça va pas être possible. Ni le fusil tech et tout, on ne peut pas utiliser des objets tech pour les boss. Donc du coup, bah, on utilisera autre chose. Mais en tout cas, il faut que je fasse un épisode très prochainement. Peut-être la prochaine vidéo, je sais pas, ou celle d'après. Je ferai un épisode consacré à la selle de Rextech parce qu'on peut déjà la crafter. Donc on va utiliser ça. Et on utilisera les éléments qu'on a à la maison pour aller démolir tout et voir si c'est vraiment efficace. Attention, on va avoir notre premier bébé Carcharodon. 20 secondes seulement. 18, 17, j'ai l'impression que c'est le premier de l'an. 15, 14, 13, 12, 11, 10... 9, 8, comptez avec moi, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Oh, il est comme la maman, et regardez comme il est gros, il est aussi gros que moi, il fait la taille d'un raptor limite. Ok, on l'élève directement. Oh, il fait pas de bruit, il fait aucun bruit, je suppose qu'il a pas de mutation. Non, il a pas de mutation malheureusement, c'est un mâle. Allez, viens avec moi, bébos. Faut qu'il me suive. Alors, quand il va se déplacer, je suppose qu'il va faire le bruit max, genre...
Il me suit de très loin. Vous voyez le bruit qu'il fait de fou? Il me suit de très loin parce qu'en fait le jeu considère qu'il est énorme. Attendez, regardez, regardez. Il faut qu'on le regarde de face. Regardez comme il est mignon. Oh, c'est incroyable. Regardez comme il est mignon. Eh, il est tout mimi. Je suis refait, c'est incroyable. Il a, bon, il a une énorme tête par contre, hein, on va pas se mytho. Mais waouh, le délire. Attends, je vais prendre un selfie avec. T'es moi, je prends un selfie avec mon bébé. On dirait que le Rex derrière c'est sa maman alors que pas du tout. Eh, il a déjà 1700 PV de base. Tiens, on va lui donner de la bouffe, hein. Va falloir que je ramène de la bouffe. Il y en a normalement, c'est encore dans mon genre. Non, ça va. Ouais. Et les autres, ça en est où? 16%. Ouais, mine de rien. Ah ouais, il y en a deux qui sont à 16. Et mine de rien, ça avance très vite, hein, parce que comme on se préoccupe pas de tout en même temps, on va avoir beaucoup de carcarodons à la fin. Ça va être n'importe quoi. Eh mais attendez. Eh, il grandit vite le petit, hein. Regardez, il grandit un peu à vue d'œil. Est-ce qu'on le voit grandir? Regardez. Ouais, ouais, il y a un petit pup. Et il grandit, hein. Il aura besoin de nous dans 12 minutes 40. Ouais, ok, bon bah, je vais vous retrouver. Tu sors, c'est bon. Il chie dans l'enclos et tout, tu sors. Aujourd'hui, c'est tout pour les carcarodons. J'ai pas envie qu'il y ait un Rex qui vienne chier au milieu de l'enclos. Voilà, tu restes ici, tu sers à rien. Très bien. Et mon carcarodon, il va se dépêcher de grandir, hein, n'est-ce pas? Eh, là, il met un coup de pression, limite, hein. Sa tête a fait quasiment la taille de tout mon corps. C'est déjà abusé, alors que c'est juste un bébé. Vous vous rendez compte? C'est un bébé, ça. Ça, c'est un bébé. Ouais. Eh, bah, j'arrive pile au moment où il y en a un autre qui arrive. C'est parti. Je crois qu'on n'a pas les mêmes bébés en tête, hein. Oh, regardez, il grignote. Il est déjà énorme. Il est même pas ado. On va en avoir un deuxième. Regardez, 7 secondes. Je crois qu'il y en a même un troisième qui arrive. Ouais. On va en avoir deux en même temps, là. Attention. 3. Ah, oh bah, trop tard. Il y en a un qui est plus gros level. Je crois qu'il a le level du daron. Regardez, ils ont les couleurs. Ah non, couleur du père et couleur de la mère. Malheureusement, pour l'instant, on n'a pas de variante de couleur. Je vais les prendre en cryopode parce qu'ils vont me suivre, mais il va falloir que je m'écarte de ouf. Ton petit frère. Ah ouais, il y a un mix des couleurs, regardez. Il a des taches vertes comme la mère. Regardez. Il a les taches vertes de la mère, mais il a la couleur du père. Ok, on a un premier mix and twist au niveau des couleurs. Bah pourquoi pas, c'est assez original. Quand il va grandir, ça va être marrant, hein. Et ici on en a un autre du coup, mais je pense que les couleurs sont pareilles. Ouais, lui il a 100% les couleurs du daron. Les amis, j'ai récupéré d'autres, mais pour l'instant je vais mettre ça en pause. Parce que là on a 10 carcarodons qui ont été préparés. Je pense que 10 c'est un très bon nombre. Du coup ici on va désactiver l'accouplement. Parce que à la fin ça va nous prendre une place de fou. Vous vous rendez compte de la taille des carcarodons? Donc on va laisser les œufs éclore. On va voir petit à petit, j'espère que je vais avoir de la chance et que j'aurai potentiellement des bébés avec des couleurs différentes. Moi c'est surtout ça qui m'intéresse parce que une mutation c'est très bien mais ça va pas faire une différence monstre. Sachant que les stats déjà de base sont quand même relativement élevés. Du coup ce qu'on va faire c'est que je vais les laisser grandir et on va se retrouver quand mon bébé déjà aura atteint le stade juvénile voire adolescent ou même quand on aura besoin de prendre soin de lui. À tout de suite. Mon carcarodon est devenu juvénile, je vais pas vous mytho, j'ai pas l'impression qu'il y ait une grande différence. C'est moi ou il a rien à bouffer lui? Oh non, 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 wait. Wait. Pourquoi il mange pas dans les mangeoires? Je comprends pas. Bah tiens, bébos. Mange, voyons. Va falloir qu'on les nourrisse. Oh, j'ai pas vu. Il y en a un autre qui est arrivé à la vie. Niveau 40. Et il y en a un autre niveau 27 derrière. Oh, il y a eu des doubles. Non, mais c'est trop. Je vais avoir combien de carcarodons à la fin? Oh, je vais avoir... Oh, regardez comme il est chou. Je vais avoir combien de carcarodons à la fin? J'en avoir des doublés, là. J'avais pas besoin d'avoir des doublés, vraiment, je vous assure. Pas besoin d'avoir des doublés. En l'occurrence, si j'étais en PVP, je crois que je serais vraiment heureux d'avoir des doublés carcarodons. Ça vaut le coup, non? Ok, je vais tous les sortir de là. Viens avec moi, toi aussi. Allez, ouais, c'est ça. Rugis, on n'entend rien quand tu rugis. Je vais tous les mettre devant. Oh là là, il faut que je me dépêche parce que... Il y a un moment donné où ils vont plus avoir assez de nourriture et ils vont mourir là si ça continue. Écoutez, je suis désolé. Mais il faut ce qu'il faut. On a besoin de nourriture. Eh hey, les gars. Bon. On va récupérer ça chez lui. Je crois qu'ils avaient faim eux aussi, hein. Tenez les petits. Eh, désolé de vous avoir privé de bouffe. Voilà. On va être obligé d'aller chercher parce que ils vont consommer beaucoup de nourriture vu leur gabarit, lol. Voilà. Et on va en donner à tout le monde pour être sûr qu'ils en aient tous. Oh, j'avais pas fait gaffe. Trop bien, on a une nouvelle teinte. La couleur de la mère et les petits pois du père. Très stylé. Très stylé. Je pense que le mix
est archi valide, parce que la couleur du père, ça sortait pas trop avec les petits pois, alors que là, la couleur de la mère avec les petits pois du père, c'est vraiment beau. Eh, mais attendez, c'est moi ou cette teinte? Non, c'est peut-être la teinte du père avec les petits pois de la mère, ouais, comme là-bas. Ouais, non, y a rien de nouveau. Je vais utiliser la mère pour aller récupérer un petit peu de bouffe, parce que les bébés, là, il faut que la maman, elle travaille, tu vois. La mère, elle doit nourrir les petits. C'est vrai, parce que pour l'instant, le daron, il faut rien. T'imagines, elle est tombée 10 fois enceinte, la pauvre, en plus, c'est terrible. Et là, elle est obligée d'aller chasser pour eux pendant que le daron, il faut rien. Tranquille, le daron, hein, tranquille. Quoique le daron, il s'est reproduit 15 fois en 2 minutes, je pense qu'il doit plus en pouvoir. Il doit plus en pouvoir, le daron, c'est terrible. Ça commence à devenir balèze. Il y en a un autre qui est apparu. Il y en a 2 autres, 3 autres, encore des doublés. C'est trop, là, je vais en avoir trop. Je sais même plus déjà quoi en foutre. Ils sont trop nombreux, là, c'est n'importe quoi. Attends, il faut que je le sorte d'ici, lui, le pauvre. C'est moi, il a une autre couleur, va falloir que je l'analyse. J'ai l'impression qu'il a une autre couleur, c'est peut-être moi qui rêve, je sais pas. Oh là là, on en a trop, va falloir que je les sorte. Le centre ne va pas être capable de les accueillir. Ils sont beaucoup trop nombreux, ils vont être beaucoup trop massifs quand ils vont grandir. On va devoir les laisser dehors devant la maison. Vous vous rendez compte, on va laisser ça devant la maison en mode le chien de garde, t'as vu? Un chien de garde qui fait la taille d'un terrain de foot, mais tout va bien. Tiens, toi, t'as plus rien à manger, mon pauvre. Non, je lui ai donné mes pantoufles. Mange pas mes pantoufles, s'il te plaît. Et il commence à être balèze, non? Je tiens à dire qu'il commence à être balèze. Juvénile, besoin d'être nourri avec une Tintoberry. Ok. Je veux dire, s'il y a que ça, mon ref, une Tintoberry PTDR. Non mais franchement, un carcarodon qui veut une Tinto. Eh ben j'en ai, c'est bon. Tu vas l'avoir ta Tinto, mon vieux. Tiens, 33% de bonus d'élevage déjà. Faudra s'en occuper encore 2 fois. Il est en sang, le pauvre, mais non, c'est normal. C'est normal en vrai. Par contre, pour la régène, les amis, ça va être un enfer. Parce que là, ils sont tous en sang comme ils sont bébés. Va falloir qu'on utilise les petits porcs et qu'on les booste. Parce que ils vont galérer de ouf à récupérer leur 16 000 PV chacun. On va en mettre un là. On va les écarter quand même parce que quand ils vont devenir grands... Il a une couleur spé, lui, non? Oh, ouais, on dirait que les petits pois, ils sont plus foncés. On dirait qu'il est un peu orange et un peu plus dark, celui-là. Oh, ah ouais, non, il a un truc. J'en ai replacé un parce que j'avais récupéré un œuf en plus, donc il va éclore en temps et en heure. Je vais commencer à les déplacer et on va les mettre là-bas. Ça va être n'importe quoi, on va en avoir trop. Regardez, il commence à devenir grand, hein. Parce que là, il me dépasse complètement. Là, c'est aussi gros qu'un Carnot déjà. Et c'est même pas le plus gros de la portée. Bientôt, on va avoir des adolescents, voire plus. Je crois que c'est lui le plus gros de la portée. Oh oui! Oh oui, il a la taille d'un allosaure déjà. Il a la taille d'un allosaure alors qu'il est juvénile. C'est même pas un adolescent, quoi. Et il a déjà la taille quasiment d'un allosaure, c'est impressionnant. Encore des jumeaux? Encore des jumeaux, non mais j'y crois pas, c'est une dinguerie. Non mais c'est trop. Le jeu veut me gâter, t'as vu, mais c'est trop là. J'ai eu des jumeaux sur des jumeaux sur des jumeaux sur des jumeaux, faut arrêter là. Il nous en reste plus qu'un qui va arriver. Imaginez le dernier, il arrive, il est rose bonbon. Franchement, ça serait incroyable, je pète un câble. Je pète un câble. Ok, super, on a ramené tous les petits en plus. Regardez, ça va du plus petit au plus grand. Tong, tong, tong. Alors, cet œuf, il sera bon dans 13 minutes. Ok, on peut ne pas du tout s'en occuper. On va s'occuper tout de suite de faire sortir les derniers carcarodons. Donc, on a encore un et deux à mettre ici. Et on va nourrir tous les petits. Ah, il y en a un qui a besoin qu'on s'occupe de lui. J'arrive, mon fils. Que veux-tu? Un câlin. Let's go. Si seulement tous les trucs à chaque fois demandaient des câlins, ça serait tellement pratique. Alors, qu'est-ce qu'il veut, lui? Qu'est-ce qu'il demande? Promenade. Ça marche, mon ref. Viens avec moi. Petit. Ok. On va lui faire un tour, comme ça on le replace. Et voilà! La promenade est faite. Eh, mine de rien, ça fait beaucoup de bouche à nourrir, là. Bah ouais, il nous reste un petit qui a plus de bouffe. Je vais être obligé de retourner chercher à manger pour tout le monde, là. C'est nimp. Bon, cette fois-ci, je vais utiliser un Tilacolo, ça sera plus rapide que se déplacer en Carcarodon, parce que c'est assez lent. Ah tiens, regardez, tout récemment en live, j'ai capturé ce Tilacolo qui est niveau 188 et qui était au niveau 120, donc le niveau max que je peux trouver sur cette map. Bon, on va monter sur Crash, peu importe le Tilacoléo. Le but, c'est juste de ramener un peu de bouffe. Comme ça, on va pouvoir nourrir tous les bébés. Regardez comment ils commencent à grandir. Je me sens déjà beaucoup plus en sécurité là, étrangement. Mon Tilacoléo, on dirait une mini crotte à côté. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 carcarodons. Et on en a un qui va éclore dans un instant. Je sais pas dans combien de secondes, on va regarder ça tout de suite, mais je pense que c'est bientôt.
Et on a notre 13ème qui arrive dans 5 minutes. On va aller chercher de la nourriture pour tout le monde parce qu'ils vont mourir de faim. Vu comment ils sont nombreux, 12 carcarodons qui vont composer notre armée. Ça va être très impressionnant. Ça va être très très fort. Il y a quasiment rien sur la map qui va pouvoir nous arrêter. Eh mais c'est un par hasard Thug, hein. Thug Life, regardez, il passe au milieu des carcarodons comme si qu'il en était un. Et lui, il se pose pas de questions. Moi, à sa place, je serais en train de me chier dessus, mais lui, ça va. Ah, un câlin, nice. Un autre câlin, peut-être ? Promenade, nice. Eh, hey, ils sont gentils, hein, franchement. Ils pourraient me demander des croquettes, ils pourraient me demander des trucs, mais ils savent que je suis un gros clodo. Donc, du coup, à la place, ils me demandent des câlins. C'est trop cool. Voilà, nickel. Reviens derrière avec tes frères et sœurs. Promenade encore ? Mais décidément, c'est des grands marcheurs, mes carcarodons. C'est nimpe. Encore une promenade ! Je suis mort ! Et celui-là, il est aussi grand qu'un Rex, mais il veut une promenade. Allons se promener, il n'y a pas de souci. Si tu veux te promener, promenons-nous. Je veux dire, on peut pas vraiment te refuser. T'as vu la taille du truc ? Tu le refuses, il t'arrache un bras, quoi. La promenade, il la prend s'il en a envie. Hein. Notre dernier œuf va éclore. 8 secondes. Allez, s'il vous plaît, une couleur de fou. Ça serait bien. Sinon, je le mets en cryopode et je m'en occuperai plus tard. Eh bah, nous avons droit à une copie conforme de tout ce qu'on a eu avant. Bon, malheureusement, on n'a pas eu de couleur de fou. On a juste une variété de couleurs, je crois, ou deux intéressantes. On va mettre en cryo, lui c'est vraiment le petit dernier, je m'en occuperai plus tard. Parce que franchement avec toute la garnison que j'ai là-bas, regardez ça, il commence à grandir, il commence à être tous impressionnants là. J'ai jamais trouvé mon tigre à coller aussi petit, je vous jure c'est n'importe quoi. Bon on va attendre un petit peu qu'ils grandissent tous, on va se retrouver, moi je vais continuer à faire les breeding pendant ce temps. Donc à tout de suite. Ah, il a besoin de quoi? Oh non, mon petit gars, croquette supérieure ça, non j'ai dit je suis un pauvre. Un câlin si tu veux, mais pas une croquette. C'est cru à Intermarché, le petit père, là. C'est un truc de fou. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Ah, la promenade. Ça, ouais. Ouais, ça, y a pas de souci. T'inquiète. On va faire une promenade ensemble. Viens avec moi, mon ref. Je le répète, hein, bien entendu, pour ceux qui ne sauraient pas, éventuellement, pour changer le besoin de l'animal, il suffit de le mettre en cryopode et de le ressortir. Là, par exemple, il me demandait une viande cuite séchée. J'avais la flemme d'aller en chercher une. Je le mets en cryo, je le décryo. Maintenant, il veut une promenade et ça changera strictement rien à la qualité de breeding. Donc du coup vous pouvez le faire jusqu'à ce qu'il vous demande un truc gratuit comme une promenade, un câlin ou sinon une petite viande, une tintoberry comme vous avez vu au début, ce qui est beaucoup plus simple pour pas se prendre la tête. On vient de dépasser un cap, ils sont quasiment tous adolescents, comme vous pouvez le voir ils commencent à être très impressionnants, ils font la taille quasiment tous d'au moins un rex. Non je crois que c'est lui, c'est le plus gros pour l'instant. Oh, je saurais même pas dire, ou c'est peut-être lui là plutôt, je sais pas. Ils sont. Non, ça doit être lui. Oh, Théma, comme il commence à être grand. C'est un adolescent, ouais, mais je pense que bientôt il va devenir adulte. Jeune adulte. Ils sont tous très impressionnants. Je suis impatient qu'ils arrivent à maturité. Moi, il va falloir que je ramène le petit porc et que je les amène tous ensemble au niveau des petits porcs pour les soigner parce que ça va être très compliqué de leur faire régène les 16 000 PV. Oh, un petit câlin encore. Regardez comme il est mignon. Bientôt, il arrachera des têtes et des jambes. Comme son papa. Encore un autre avec un petit câlin. Je suis en train de les déplacer. Regardez comment le sol, il tremble. C'est n'importe quoi. Regardez ça. Oh là là. Allez, on va les mettre dans ce sens-là. Comme ça, on va faire un joli petit cercle. Il veut une méroberry, lui. Mais c'est incroyable. Attends, je vais aller t'en chercher une tout de suite. Si vous pouvez tous me demander des méroberries, ça irait beaucoup plus vite. Hein. On a notre premier bonus d'élevage à 100%, j'avais même pas remarqué. Ça veut dire que lui, oh, il est nickel. On est good avec un déjà. J'essaie de faire tous les bonus d'élevage, puisque c'est pas compliqué. Il suffit juste de les faire se promener ou de leur donner des trucs et de refresh quand on peut pas donner les trucs dont on a besoin. Je crois qu'on en a un deuxième à 100%. Nice. Je vais écarter ceux qui sont à 100%, je vais les mettre en rangée, vous allez voir mon armée, ma famille, la famille, comme dirait Vince Dieselou. Azulberry, c'est la première fois qu'on me demande. Nickel. Facile. Il a sa petite baie, il est content, et le bonus d'élevage, normalement, enfin c'est une femelle, elle est contente, le bonus d'élevage passe à 100%, encore un de GG. C'est bon, c'est officiel, je suis la meilleure daronne du Jurassique. C'est incroyable. Regardez ça. Oh c'est n'importe quoi ce qui est en train de se passer. Regardez juste cette image et dites-moi que c'est pas giga impressionnant. Regardez la mini crotte que je suis à côté. Ils auraient juste à faire et ils m'avalent. Je finis dans leur estomac et ils me chient illico presto. Ils sont tous titanesques. Et boum, un câlin et encore un 100%. Il nous en reste plus beaucoup dont on doit s'occuper. Je crois qu'il nous en reste juste 4.
Il nous en reste 4, parce qu'il y en a un qui est planqué derrière. Juste 4, et on sera good au niveau de tout ce qu'il faut faire. Ah non, peut-être 5. Ouais, non, 5, il nous en manque juste 5. Oh là là, j'ai fait tout le taf. Eh, franchement, je vais pas vous mentir, c'était relativement long, mais ça vaut le coup. On va avoir la pire armée qu'on puisse faire, en tout cas, avant d'avoir potentiellement des carcarodons plus haut level, et de tomber potentiellement sinon sur un gigano. Allez, plus que ces 3 bestiaux, et on a fini de s'occuper de tout le monde. Un câlin, nice. Le meilleur truc possible, le câlin, c'est banger atomique. Et c'est bon, nous avons tous les bonus d'élevage avec ce dernier carcarodon. Je vais les aligner et vous allez voir le résultat. Va falloir maintenant attendre qu'ils arrivent à maturation. Il va falloir les heal, ça va être très long. Mais vous, ça va vous prendre une seconde, hein, parce que moi je fais des cuts. Je suis un gentil youtubeur. J'ai fini de les aligner, regardez-moi ça. C'est terrible. C'est terrible. C'est monstrueux. Regardez ces carcarodons qui sont tous devenus au moins adolescents. Je sais pas combien de pourcentage ils sont. Il y en a peut-être dans le tas qui sont adultes. Je sais pas. Je pense pas encore. Le taux de maturation, 79. Je cherche un adulte. 80. 94. On a un adulte ici. On a un adulte ici. Donc celui-ci, il est montable. Il peut déjà se battre. Bon, il veut un câlin. Je peux lui en faire un de plus, même si ça apporte plus rien. On a un seul adulte pour l'instant. Donc va falloir attendre encore un petit peu. De toute façon, c'est pas un souci parce que pendant ce temps, ils vont se heal puisqu'ils ont tous à manger. C'est absolument dantesque. J'ai... Regardez juste ça. Regardez ce POV. Regardez ce POV de fou. Ils sont tellement grands en plus par rapport à moi. Genre c'est abusé. Ce qui nous manquera les amis après une armée pareille, c'est une armée de gigano je pense. Hein. Parce que là... Je suis impatient de les mettre à l'épreuve, mais il va falloir les heal, et ça, ça va être la partie la plus chiante. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre qu'ils deviennent tous adultes, on va se retrouver une fois qu'ils seront tous adultes, à tout de suite. Attendez, c'est combien qu'il a de PV? Ouais. Quoi? 30 000? Ah ouais! Oh, ça leur a donné un boost en PV, puisqu'on les abride. Oh là là, les bêtes! Ils ont tous 30 000 PV! Oh, j'avais pas pensé aux brides! J'avais oublié que ça donnait aussi un boost de PV de fou. Oh, nous avons une armée de carcarodons qui ont tous 30 000 PV. Oh là 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 là. C'est beaucoup trop fort. Ok, je pense honnêtement que il serait potentiellement capable de battre mon armée de Rex. Parce que même si mon armée de Rex va mettre plus de dégâts qu'eux, 30 000 PV quand même chacun. Et vu la taille. Par contre, pour Régène, ça va prendre une éternité. Mais c'est une folie. C'est une folie. Rendez-vous compte que chacun des individus là que vous voyez, ils ont tous 30 000 PV. Il y en a un autre qui vient de devenir adulte vu qu'il a crié. Et je suis absolument choqué par ce qu'on vient de créer, les amis. On a fait une armée absolument horrible. Je peux pas dire autre chose. Ce qu'on va faire maintenant, c'est un truc très chiant, mais je vais tous les coller. On va leur demander de me suivre. Comme ça, je pourrai utiliser le petit port. Je vais pas me suivre tous parce qu'il y a des montures derrière qui pourraient potentiellement me suivre. Oh là là, vous entendez ce son? Vous entendez ce son qui fait danser les rats? C'est... Ah, j'en achète, tiens, j'ai eu peur. C'est mon armée. Oh là 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 là. Voilà, alors là, normalement, ils sont tous rassemblés. On va leur dire... Pas bouger tous. Oh là 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 là. Oh, regardez-moi ça. Maintenant, je vais ramener les petits porcs. Parce que c'est les petits porcs qui vont les faire heal. Ça va être n'importe quoi. Regardez le truc. Le petit porc d'élite arrive. Un premier daïodon va être vidé entièrement sur tous ces carcarodons. Voilà, normalement, là, on est en train de heal absolument tout le monde. La position est parfaite. Oula, on a déjà faim. C'est pas possible, ça. J'en ai jeté ma loutre. Je sais pas si ça les a beaucoup guéris. J'ai pas l'impression que ça les ait guéris de grand-chose, hein. Va falloir qu'on nourrisse les porcs. Oh là là, ça va prendre une éternité. Cette guérison là va être terrible. Peut-être la pire. Parce que je sais pas ce que je pourrais leur donner pour les nourrir comme c'est des carcarodons. Si ça avait été des herbivores, ça aurait été plus simple. J'aurais donné des gâteaux. Non, même, ça aurait pas été plus simple. Les gâteaux, ça prend une éternité aussi. C'est dommage qu'on ait pas de Harfang, mais ça c'est pas sur cette map. Mais la Harfang des neiges, les amis, elle aurait heal tout le monde en 2-2. Et c'est incroyable. Oh là là, la consommation de nourriture. Oh. Et si vous pensez que c'est parce qu'ils sont très nombreux dans la zone que la consommation elle est aussi exagérée? Ils ont gagné 1000 PV chacun à peu près. C'est déjà beaucoup, hein. Mais
va falloir vraiment que je trouve une soluce. Je vais faire une mangeoire, les amis. Je vais me redonner les engrammes. Je vais faire une mangeoire et je vais sortir de la zone. Comme ça, ça va redonner tout au petit porc instantanément. Et grâce à ça, on aura la possibilité de les heal. Il me manque quoi pour faire une mangeoire? Je vais faire ça en 2 splits. Ok, on a de quoi faire la mangeoire. Maintenant, il va falloir la remplir, sortir de la zone. On va faire ça plusieurs fois. Ça serait bien de réussir à les remonter niveau PV, mais ça va être une galère. Oh, regardez, il est tout blanc l'autre là-bas. Ça va être une galère. Parce qu'ils ont tellement de PV, 30 000 chacun. Donc va falloir y aller à fond. Il va falloir remplir la mangeoire, remplir la mangeoire, remplir la mangeoire. Mais j'accepte le challenge. Mangeoire posée. Je pars chercher à bouffer. Vous allez voir, je vais la remplir comme never. Stock de bouffe. Regardez-moi ce stock. Boum. J'en avais déjà mis un petit peu. Comme ça, normalement, là, si on s'écarte, ça devrait régénérer totalement la nourriture des petits porcs en one shot. Faut juste qu'on sorte de la zone. Vous allez voir, normalement, c'est une technique qui marche très bien. Ça veut dire que là, ils vont vider la mangeoire et on pourra de nouveau les utiliser pour heal. Par contre, je sais pas jusqu'à combien de heal ça va donner. Mais je pense pas non plus que ça va donner une folie. On va sortir complètement de la zone de manière à ce qu'ils ne voient plus du tout et qu'ils soient pas visibles dans l'écran. Normalement, on s'est assez écarté de la zone. Maintenant, on va retourner à la maison, voir tout de suite si les petits porcs ont mangé. Il y a encore des carcarodons qui deviennent adultes, on les entend crier, c'est ouf. Alors, oui, ils sont full, vous voyez, ça a très très bien marché. C'est parti le heal. Ling, 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 ling. Oh, comment ça consomme de fou d'un coup. Voilà, j'ai déjà plus de quoi les heal. Oh là là. C'est parti le heal. Ling, 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 ling. Ok, j'ai plus de quoi heal. Est-ce qu'ils sont bien remontés? Ils sont même pas à un tiers de leur vie. Est-ce que dans la mangeoire il reste beaucoup de nourriture? Ah ouais, non mais c'est un truc de fou. Oh là là. On va essayer de refaire un aller-retour ou deux, mais... Oh non, c'est trop les amis. C'est beaucoup trop dur. C'est un truc de fou en fait de les faire spawner avec si peu de vie. On va être obligé d'attendre un an et demi avant qu'ils soient full régène et utilisables vraiment. Et encore, rappelez-vous que j'ai des stats boostés en tout. Mais qu'est-ce qu'il est beau ce diplôme. Regardez, c'est un diplôme Power Rangers. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a foutu de la peinture dessus. C'est de nouveau moi les enfants. Je reviens remplir la mangeoire avec un peu de viande. Enfin, beaucoup de viande même. La mangeoire est vide. Oh la folie. Ok, bon appétit tout le monde. Les petits porcs sont remontés à moitié pour celui-là. Et celui-là n'a pas du tout. On va claquer le peu qu'il a en santé. Bam. Histoire d'aider à régénérer un petit peu. C'est n'importe quoi le taux de soins dont ils ont besoin. Franchement, je suis choqué. Regardez, ils sont à 9000. Ils ont que dalle au niveau des soins. C'est n'importe quoi. Au niveau des dégâts, je pense... Eh, vraiment, cette armée, une fois qu'elle sera prête, il va falloir du temps. Mais une fois qu'elle sera prête, elle sera formidable. Les amis, je pense que nous allons nous arrêter là du coup parce que j'aurai jamais le temps de préparer l'armée au complet. En tout cas là ils sont tous quasiment adultes. J'en ai vu juste un qui est pas bon. Je vais faire plusieurs allers-retours pour les nourrir et tout. Et on se retrouvera la prochaine fois. Je pense honnêtement que la prochaine fois qu'on se retrouvera, ça sera pour les utiliser une bonne fois pour toutes et cramer toute l'île avec. Juste histoire de voir la puissance. Ça va être pire que l'attaque des titans. Mais le seul truc, c'est que comme je ne suis pas malhonnête, je pense que quand on se retrouvera, je les aurai pas heal à 100% parce que j'aurai pas la foi. Donc je vais les heal du mieux que je peux et on se retrouvera. Ils seront peut-être à 20 000, 25 000 si j'arrive à les monter jusque là. Là je vais faire encore quelques allers-retours. Merci énormément à toutes les personnes qui ont suivi cette vidéo. Si vous êtes encore là, vous êtes un abonné de qualité. Je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait, c'est extrêmement important pour moi. Ça m'aide à me rapprocher petit à petit des 100 000. C'est l'objectif, le rêve, the dream. Donc je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait, surtout comme il y en a beaucoup qui le font pas, et mettre la cloche de notif. Et si jamais vous avez envie de supporter encore plus la chaîne, n'hésitez pas à la partager à quelqu'un qui pourrait apprécier mes vidéos. C'était Jesper en direct de Ark Survival Evolved et je vous dis à très bientôt pour la suite de mes aventures. Et la prochaine fois, je vous promets, ça va tarder.